Annoncé comme un combat de choc, l'opposition de Tyler Seaver, appelé champion des KO, à Taylor Mabika, n'a duré que très peu. C'est en présence du chef de l'État, des représentants de l'International Boxing Union et de plusieurs invités que la panthère gabonaise a décroché par KO au troisième round la ceinture que détenait depuis plus d'un an l'Américain Taylor Seaver. Innocent Twente, coach de Taylor, n'a pas caché sa satisfaction et a dévoilé la stratégie mise en place pour mettre KO l'Américain. Alors, nous avons essayé de mettre un petit emplacement pour notre entraîneur, essayer d'attaquer le premier rang, voir la réaction de l'adversaire. Et nous avons attaqué au premier rang, donc il ne faut pas tenir les coups. C'est pour cela que j'ai demandé à Taylor, à partir du deuxième ou troisième, de progresser en puissance. C'est pour cela qu'il n'a pas réussi son troisième. Après ce nouveau sac, le champion du monde a dit qu'il souhaite se reposer dans son pays avant la fin du nouveau challenge.